Tiens, maman, le rhume va me tuer, c'est Yaoundé. Maman, il fait chaud au Cameroun, hein? Ouais, je demande qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes autant sorcier et aigri? Charlie est congolo et langue noire, c'est toi-même. Pourquoi vous êtes autant aigri? Répondez à ma question, hein. Franchement, répondez à ma question parce que je comprends pas. Je comprends pas. Je saisis pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui tourne pas rond dans vos cervelles, là. Non, mais sérieux, quoi? Vous avez pensé que je vais laisser mon plat en or, d'accord? Pour aller manger dans la merde. Mais c'est une blague. C'est une blague. Pardon. Les gens du groupe, de la team d'en face, enlevez vos invitations. Moi, je ne suis pas moi avec vous. Oh. Moi, je ne suis pas moi là. Pardon. Je ne suis pas là. Donc, vous avez pensé qu'il avait laissé mon titre de général pour venir laver les assiettes. Je laisse mon contrat CDI pour venir supplier un contrat CDD. Non, vous avez menti, c'est une blague. Je ne peux pas quitter de 1000, je ne peux pas quitter de 2 500 euros. Hein? Ou pour aller supplier un salaire de 1 200 euros. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Je ne peux pas accepter ça. Et vous êtes là, vous ne me conseillez même pas. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous m'encouragez. Je parle pas où. Hein? Je suis et je demeure pédéjiste. Celui qui ne veut pas, il laisse. Je ne discute avec personne ici à Yaoundé. Ça, c'est clair. Je ne discute avec personne. Non, j'en ai marre. Les discussions, non, je ne veux plus moi les discussions. Je ne veux plus les discussions. On fait jusqu'à la crue qui est à Liège. Coco de Liège. Tu as pensé que c'est la poubelle? Do you think I'm a dustbin? Tu es malade. Tu as la diarrhée. Il faut te purger avec ton gros ventre là. Tu m'envoies l'invitation. Tu n'as pas froid aux yeux. Pourquoi vous aimez profiter de l'eau torrent pour chier dans la pluie? Donc je vais laisser la bouche pour aller embrasser le mur. Non, 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 non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Aïe! Non. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est vrai que l'ambiance de ma gazon donne bien un peu. Mais je ne peux pas laisser le bureau pour aller travailler au call box. Je suis et je demeure pédéjiste. Je ne discute avec personne. Celui qui veut, il m'amène là où il veut. Je ne discute rien avec personne. Et maintenant, la team de garniture de la Belgique. Coco de Liège, je vais percer ta tête, je vais te viser le caillou. Hein. Tu sais pas comment tu m'as effrayé. Tu ne sais pas comment tu m'as effrayé quand j'ai vu ton invitation. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ce n'est pas dans ta tête que Satan joue le baseball? Je ne veux plus. Je ne supprime pas ton invitation. Enlève ton invitation comme toi-même tu es venu avec. Pardon, s'il y a quelqu'un là, allez me biper Coco, Coco de Liège. Viens enlever ton invitation. Moi, je n'aime pas les problèmes. Je ne veux pas. Donc, je vais laisser. Vous pensez que vous êtes sage? Je vais laisser mon contrat CDI chez les pédéjistes. Hein? Pour venir supplier le CDD. Non, vous avez tapé poteau. Non, 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 non. Non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Vous avez pensé qu'il partait où? Je pars qu'il part où? Je ne pars nulle part, celui-là.
Pardon, la personne qui a enlevé mon uniforme de général, j'avais posé ça sur la table. Venez me remettre. Parce que vous êtes champion. Les gens de la team garniture, la crue de Liège, viens me remettre mon uniforme. Je suis sûr que tu es déjà parti jeter ça. Prends ça, tu viens me donner. Je n'aime pas les problèmes. Comment vous pouvez penser un seul instant, hein? Un seul instant, que moi je peux être assis avec vous? Vous avez menti. Même si un jour je quitte la team PDG, je ne m'allierai jamais avec vous. À grand jamais. Vous avez tapé poteau. Jusqu'à ce que ça m'écrit des messages. Tu as compris. Vraiment. Je ne suis pas un tribaliste. Je suis Camerounais. Je ne suis pas Béti. Je ne suis pas Douala. Je ne suis pas Bamileke. Je ne suis rien. La seule chose que je sais, c'est que je suis Camerounais. Au Cameroun, on dit le passeport Camerounais. On ne dit pas le passeport Béti ou le passeport Bamileke. Non! C'est votre tribalisme là qui est en train d'amener ce qui veut se passer au Cameroun. Je ne veux pas ça. Je suis dans la gratitude. Là où on vit encore avec des lois. Notre team a des principes. Tu ne nous provoques pas, on ne te provoque pas. Tu ne nous cherches pas les problèmes, on ne te cherche pas les problèmes. Et quand vous venez nous provoquer, lisez bien notre notice. Parce qu'il y a parfois, je ne suis pas de service. Mais les abeilles ne dorment pas, elles sont toujours autour du miel. Dès que quelqu'un touche le miel comme ça, pam, ils se sont déjà versés. Donc lisez bien la notice. C'est un conseil que je vous donne là. Ce n'est pas des menaces, c'est un conseil. Maintenant, toi, la tue de Liège. L'invitation qui m'a le plus choqué, c'est ton invitation. Donc toi, comme ça, tu te permets de prendre tes phalanges, ce qui te sert de doigt. Tu m'envoies l'invitation. Mais God punish you. Les Nigériens disent que God punish you. Turn the fire this your stupid hand. Tes stupides doigts que tu as utilisés pour m'envoyer l'invitation. Tu es malade. Tu es malade. Ça m'envoie les invitations. Ça m'envoie les invitations. Ça m'envoie les messages. Enfin, tu as compris que vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, des vampires, des serpents bois. Je peux encore un peu essayer de mettre un peu d'eau dans mon vin pour voir un peu Linda autrement. Mais toi le bouc, où tu disais, mais tu es tellement laide que je ne sais même pas, la beauté t'avait envoyé au répondeur, tu es très laide. Tu es très laide, ma chérie. Et je n'aime pas que... Tu es très laide. Aïe! Jusqu'à tu m'envoies l'invitation. Non, attends. Non, attends. Carrément, tu es resté comme ça. Tu as lu mon post. Tu as pris tes mains. Tu es venu, tac, tu m'as envoyé l'invitation. Que Dieu punisse ta bouche là et punisse tes doigts que tu as utilisés pour m'envoyer l'invitation là. Fais le ménage chez toi. Fais le ménage chez toi. Tout le monde n'est pas fait pour être star. Hein? Tu es là. C'est toi qui es d'abord laide. Tu as déjà fait tous les contouring du monde entier. Même si toi on te fait le contouring, même si on déplace les maquilleurs, donc les maquilleurs spéciaux des États-Unis pour venir te maquiller. Tu ne peux jamais être belle. Tu es la plus laide fille. Non, toi, je ne sais même pas. Tu fais même souvent, tu as le courage. Jusqu'à tu fais la photo, tu postes sur Facebook. Hein? Avec une laideur ainsi. Franchement, Facebook, il faut qu'on commence à choisir. Parce que moi, je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime pas le manque de respect. Coco de Liège, je parle, Laura Samuel, je parle de Coco de Liège. Coco de Liège a vu mon poste quand j'ai dit que je ne suis plus de la team pédégiste. Elle est venue m'envoyer les messages avec toute sa team.
Je n'aime pas les problèmes. Coco de Liège, enlève ton invitation comme tu as mis. Coco de Liège, enlève ton invitation. Parce que je ne veux pas enlever. Oh. Je veux que quand je vais me réveiller demain matin, parce que je donne 48 heures. Sinon, je vais te viser, je vais percer ta tête. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc, vous pensez que si je dis que je suis pas fleur, je vais venir m'allier avec vous pour que vous me mettez le poison. Vous venez m'écrire, vous me mettez trop. Bande de sorciers, vous me mettez clos. Regarde-moi les sorciers là. Je ne suis pas un suiveur. Mettez ça dans vos cervelles. Je ne suis pas un suiveur. Donc, tu viens, toi, m'envoyer l'invitation. La vie est trop belle. La vie est facile. Hein? La vie est facile. Mais tu es malade ou quoi? Eh, mais j'ai fait l'invitation là. Elle m'a fait, j'ai vu ça même vers 3 heures. Ça m'a pourri la journée. Mais c'est une blague. Tu es même comment? Qu'est-ce qui t'arrive, Coco de Liège? On fait jusqu'à Valérie Amougou. Avec les pieds comme le poulet qu'on vient de finir de déplumer. Elle m'envoie, elle partage ma publication. Pourquoi tu partages ma publication? Qui t'a donné l'autorisation? Quel esprit t'anime? Valérie Amougou, quel esprit t'anime? Tu m'as envoyé l'invitation, j'ai accepté exprès. J'ai accepté ton invitation exprès. Donc, je ne veux pas que quand je suis dans mon coin tranquille, vous m'envoyez les invitations, vous m'envoyez des messages. Oh, c'est vrai que tu as compris que tes frères Betty, les frères Betty, tu m'appelles quoi Betty? Je suis Camerounais. Je ne suis ni Betty, ni Bassa, ni Douala, ni quoi. Je suis Camerounais. Vous me dites qu'il n'est pas m'aligné avec les... je suis pas en lien avec les Bamileke, nanani nanana. Dans mon passeport, c'est écrit passeport camerounais. Ce n'est pas écrit passeport Yaoundé ou passeport Bassa ou passeport quoi là. Donc arrêtez-moi votre sale tribalisme là. Je continue de dire, c'est autant de choses qui amènent ce qui est en train de se passer au Cameroun là. C'est des pourritures comme vous. Des pourritures comme vous, parce que vous prenez tout ici sur Facebook au premier degré. On en a marre. Laissez-nous tranquilles. Au final, c'est vous qui dites ceci. On avait fait que, oh, les gens publient les femmes nues. Ils font ceci, ils font cela. Au final, vous tous, votre rêve, c'est devenir Flore. Hein? Au final, non, Chauve-Souris ne peut pas m'écrire. Celle-là ne peut pas m'écrire. Elle sait qu'elle la loupe jamais. Quand on se croise dans un couloir, c'est chandelle, gauche, droite. C'est fini. On me dit que Nivakine, tu peux t'allier avec les Bamileke. C'est la partie-là même qui m'énerve. Hein? Les Bamileke, ça ne fait pas partie d'une région du Cameroun. Pourquoi vous êtes tribalistes comme ça? C'est vous les haineux, les sorciers et les méchants. Pourquoi vous êtes autant tribalistes? Maintenant, je pose la question à ceux qui ne sont pas encore français. Hein? Dans vos passeports, c'est écrit quoi? Hein? Bon, on l'appelle comment? Coco de Liège, dans ton passeport, c'est écrit quoi? Passeport Betty, passeport Camerounais, passeport Yaoundé. Non, c'est écrit passeport Camerounais. C'est écrit passeport camerounais. Donc arrêtez de me saouler avec toutes vos histoires là. Je ne suis ni Bassa, ni Betty, ni quoi que ce soit. Je suis camerounais et fier de l'être. Je fais la queue là où on dit la vérité. Je ne fais pas la queue là où on fait les plans comment on va tuer les gens. Je m'aligne là où on dit la vérité. Je suis la vérité. Je suis un justicier. Là où justice doit être faite, c'est là où je suis. Donc arrêtez-moi tout ça. Arrêtez-moi ce que vous êtes dedans là. Et je ne suis pas bête. Vous ne m'aimez pas. Vous venez me piéger. Vous croyez que je suis bête. Je ne suis même pas un peu bête. Hein. Vous venez jusqu'à ça, m'envoie les messages. Tu as compris que... J'ai compris quoi?
J'ai compris quoi? Bande de sorciers, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Finissez vos mots, qu'est-ce que j'ai compris? C'est vous les sorciers. C'est vous les sorciers. C'est vous les sorciers. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Coco, tu viens d'arriver là. Je n'aime pas. Je ne suis pas d'accord de la chose. Pourquoi avant mon poste, tu ne m'as jamais envoyé d'invitation? Hein? Pourquoi vous profitez de l'autorang, hein, pour chier dans la pluie? Non, ça ne se fait pas. Je n'aime pas ça. Vous êtes des tribalistes. On vous demande que qu'est-ce que vous voulez aux gens sur la toile? C'est vous les vampires. Salut LH, c'est vous les vampires, c'est vous les démons, c'est vous les diables. Parce que vous êtes toujours en train de promettre, hein? C'est vous êtes toujours en train de promettre que les bastonnades, les bas ceci, les bas cela. Non. Ce que vous oubliez, on est en Europe ici. Hein? Vous allez partir attendre taper les gens au Cameroun. Vous allez partir nous attendre au Cameroun. Johanna, coucou. Vous allez partir nous attendre au Cameroun. Je dis et je le dis et je le réitère. Je ne suis ni Betty, ni Bassa, ni Bami, ni Douala, ni quoi que ce soit. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Je ne suis pas Bassa, je ne suis pas Betty, je ne suis pas quoi que ce soit. Je suis Camerounais et fier de l'être. Et maintenant, toi, Marie La Rose, parce que je te calcule depuis. Maintenant, revenons sur toi. Revenons sur toi, Marie La Rose. Napula Nyamsele. C'est toi la seule personne que je vois ici là qui peut témoigner ce que je vais dire là maintenant. Depuis que cette sorcière, cette crue, cette vache, cette machintoc de Marie La Rose est ancrée dans la vie de Florian, vous avez dit quoi? Que je n'aime pas cette fille. Cette fille qui a les mollets comme si le cheval en train de fuir la bite. Je déteste cette fille. Comme Marie La Rose, tu as mis pause dans ton âge. Parce que tu dis que tu as 32 ans. Nous tous, nous savons que les gens de ta génération, quand ils faisaient le kumba, c'était maximum 10 ans. Donc, fait 32 plus 10, ça fait 42 ans. Ça fait 42 ans. Tous les gens de ta génération. Tous les gens de ta génération, quand ils coupaient l'âge, c'était 10 ans. C'est maintenant un peu notre génération là, on fait un peu semblant, on rase un peu, on rase même 2 ans en haut là, on rase même croix. Mais toi à ton époque, Mamagra, toi à ton époque, c'était 10 ans. Donc ce que je vais te dire, l'argent que la team a cotisé, parce que tu as 42 ans, j'ai bien calculé ton âge, j'ai fait la seule technique, mais là, je n'ai pas loupé. J'ai compté avec les doigts, ça fait 42. Tes sacs de i offert. Hein? Tes sacs de i offert là. Tu as dit que Flore te devait l'argent. La team a cotisé. Hein? Pour rembourser. Hein? Remets l'argent là vite parce qu'on a vu les prix des sacs. Moi, je ne blague même pas avec toi. Demain, va à Western Union ou MoneyGram ou au rêve, ce que tu veux choisir. Tu peux envoyer l'argent là. Parce qu'on ne peut pas accepter de payer le faux à ce prix-là. Ah, venez me bloquer. Si j'ai deux comptes Facebook, vous me bloquez, j'ouvre encore vite l'autre. Parce que tous les temps, chauve-souris Mbarga, toi, moi, je t'avertis d'abord. Ne me signale plus. Chauve-souris Mbaga ne me signale plus. Lorraine Mengue ne me signalait plus. Lorraine Mengue ne me signale plus. Toi voilà qui a dit que tu es parti chercher ton gars au Maroc. Il est à Madrid.
Tu as fait la photo. Hein? J'ai vu, je ne sais pas depuis quand à Madrid, il y a les panneaux en arabe. De toutes les façons, Beng, c'est dans la tête. Si dans ta tête, tu as mis qu'il est en Beng, ça va. On ne discute pas ça avec toi. Mais ce que moi, il ne veut pas que tu signales mon compte. Je n'ai aucun problème avec toi. Je n'ai aucun problème avec toi. Toi, chauve-souris, baga, et celle-là, on l'appelle comment? Lorraine Tanous, moi je ne veux pas. Si tu t'ennuies, tu manques quoi faire? Prends ton vol, tu peux au Cameroun, tu pars d'abord divorcer de Tanous. Ça, c'est une occupation. Moi, je ne veux pas les problèmes avec toi. C'est toi qui me cherches les problèmes. Comme ici en Beng, vous avez tous mis pause dans vos âges. Tu me vois même comme ça, tu pouvais m'enfanter. Pardon, remets plaie dans ton âge. Ça continue. Remets plaie dans ton âge. Parce que vous oubliez, souvent vous nous racontez les histoires de 75. Après, comment tu vas me raconter que tu es arrivé en Beng en 75? En 2018, tu me dis que tu as 32 ans. Mais ça veut dire que tu as mis pause dans ton âge. Tu as mis pause dans ton âge. Moi, je ne veux pas les problèmes. Sidoine, c'est qui? Sidoine, on m'a appelé. Sidoine a dit quoi? Donc, en fait, j'étais en train de dire que je veux plus que vous m'envoyez de messages. S'il vous plaît, je veux plus vos messages. C'est comme ça que vous me cherchez quand je suis dans mon 642. Je ne veux plus vos messages. Si vous avez mis pause dans vos âges, c'est pas mon problème. Si vous avez mis pause dans vos âges, c'est pas mon problème. Et moi, je vais toujours parler. Celui qui veut me taper là où je suis, je serai à la soirée de Jaguar. Et dans toutes les, déjà même à partir de mars, là, dans toutes les soirées, j'y serai. Et c'est là où on va voir qui est qui. On est en France. Celui qui ne veut pas, il laisse. Je vais partir. Je vais partir dans toutes les soirées là. Quand je suis dans mon 6-4-2, abandonnez-moi, ignorez-moi. Faites le désert. Quand vous arrivez, quand vous comptez les gens, 1, 2, 3, quand vous arrivez chez moi, dites 0. Je ne veux pas les problèmes. Pardon. Je ne veux pas les problèmes. On est en 2018. C'est une année de réalisation. C'est pas une année où le tribalisme doit encore exister. Qui est enceinte? Je pars. Non! Je ne go plus. En fait, je pars plus. Je pars plus là-bas. En fait, comment tu peux. Tu veux que je parte d'un contrat CDI à un contrat CDD que je négocie encore. Hein? Un contrat que je négocie encore. Vous savez très bien ici là que ma gazon ne m'aime pas beaucoup. Donc, je préfère rester où je suis, à ma place, sans toutefois demander rien à personne. Je suis là. Celui qui ne veut pas, il laisse. Même si mon béret est déjà percé, je vais acheter un autre parce que je suis général, je ne discute avec personne ici à Yaoundé. Je ne discute avec personne ici à Yaoundé. Vous croyez qu'il ne vous voit pas depuis là? Vous croyez qu'il ne vous voit pas? Je vous vois. Je vous vois les infiltrés là. Vous venez souvent m'insulter inbox. Mais par moments, je ne vous réponds pas. C'est pourquoi? C'est parce que je suis occupé. Je ne vous réponds pas parce que je suis occupé. Hein? Mais le tout aussi. Le tout aussi là. Non, j'ai le temps jusqu'à... J'ai 4 jours libres.
Les 4 jours, cela, c'est que je vais vous laver aller-retour. Mvora dans vor mbidoua la Yaoundé. Aller-retour. Celui qui me provoque, je lui lave. Je ne discute avec personne. On se voit tous dans les mêmes milieux et cela. Vous n'êtes même pas courageux. Parce que la personne qui va tenter le demi-testicule de son père ou pour son oncle, il va comprendre que le papaye, c'est l'arbre du blanc. Le noir mange ça parce que la gourmandise. Pas vos bastonnades à 2 balles que vous promettez aux gens ici, là, ici. Celui qui va faire les deux litres de pète blanche de sa mère qui vont s'évader, il va lécher ça avec la langue. Faut revenir. Maintenant, toi, Coco de Liège, ce n'est pas les problèmes. Je ne suis pas en train de faire les problèmes. Parce que moi, je ne cherche pas les problèmes. J'ai laissé tout ça derrière moi. J'avance, je fais ma vie à grands pas. Je fais ma vie à grands pas. Coco de Liège, pardon, comme tu as envoyé ton invitation là. Je veux que si tu connais Dieu, supprime ton invitation, le diable qui est derrière toi. Parce que je ne serai jamais ami avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je ne m'aligne pas avec les sorciers. Je ne m'aligne pas avec les sorciers. Parce que je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup. Coco de Liège, je sais, est-ce que c'est aujourd'hui que tu sais que je suis sur Facebook? Pourquoi c'est avant-hier que tu m'as envoyé l'invitation? Hein? Ton invitation m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue vraiment. Ton invitation m'intrigue. Je ne comprends pas dans quel cours. Ou bien avant, tu ne voyais pas mon Facebook. Hein? Avant que tu ne voyais pas mon Facebook, non, pardon. Les amitiés en carton et empoisonnées là, pardon la mère. I use God beg you. Enlève l'invitation. Mba, je ne veux pas. Parce que depuis, comment depuis là, j'étais comme ça ici là. Il n'y avait même personne pour m'envoyer l'invitation. Hein? Je cherchais des invitations comme ça. Hein? Coco de Liège, Coco Galasti, ça c'est Galas, je ne connais pas les grands noms que tu as mis là, ça c'est les noms que Dieu a créés ces jours-ci là. Le Facebook, si je vais vous dire un truc, ça c'est un Facebook que j'ai ouvert en 2008 et je ne l'ai jamais changé. Si tu dis qu'on était amis depuis le Cameroun, au Cameroun maman il souffrait trop, je n'avais pas le temps de faire, j'aime pas beaucoup la connexion au Cameroun. Donc, tu mens. J'ai un peu bien calculé dans ma tête là. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Parce que le problème qui se pose, c'est que. Le problème qui se pose, c'est que. Pourquoi c'est après le poste? Le poste que j'ai fait. Donc vous voulez qu'on me limoge. Je sois limogé de mon travail. Vous ne m'aimez pas. Je vais laisser un contrat. CDI. Hein? Depuis que j'ai envoyé mon CV chez ma gazon, c'est hier que j'ai vu qu'elle a ouvert mon CV. Non, je ne peux pas accepter. Comment quelqu'un va laisser la viande pour aller là où il y a l'os? C'est quelqu'un qui t'a dit que... Non, toi, les cocottes, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu es en train de m'énerver là. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire là. Quelqu'un t'a dit comment? Hein? Ça fait 1 an. Je suis arrivé en Europe. Je suis arrivé en Europe quand? Je suis arrivé en France, pardon. Ça fait 1 an que je suis en France ici et maintenant là. Ça fait 1 an. Et tu veux me dire, avec le buzz, donc les clashs, parce que je suis arrivé à l'époque là où il y avait Kamasu Krama Gazon. C'est un épisode qui a chauffé. Les gens, même les rediffusions. Les gens regardaient beaucoup les rediffusions. Tu veux dire que tu n'as pas. Tu dis que tu m'as demandé si les gens qui étaient au Maroc. De la sorcellerie, t'as fait quoi? Coco de Liège, je t'ai fait quoi? Les Ivoiriens disent que je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pour que c'est aujourd'hui. Hein? Que tu viens me retrouver. C'est aujourd'hui que tu viens me retrouver. Non, j'ai peur de ton amitié, la Walaï. Si tu passes à côté de mon verre d'eau, je casse le verre là. J'ai peur. Laissez-moi là où je suis.
Et qui... Je dis que... Coco... Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison de tout cela. Moi, ça me gêne un peu qu'ils te chassent comme ça. Mais je suis dans l'obligation de te chasser. Je ne peux pas t'accepter. Hein? Je suis obligé. Je suis obligé. Mais, j'ai désactivé le compte, comment non, Coco? Je ne sais pas, mais je n'ai pas désactivé. Marie Larose, revenons sur toi. Commence, va dans le site où les gens faisaient les commandes en ligne. Tout le monde qui achetait un sac chez Marie Larose va chercher le prix du sac là chez dans IOFER. Et il calcule. Parce que si le sac c'est 5 euros, tu as payé 800 dollars. Marie Larose, tu vas faire les Western Union 2 jours là, tes empreintes vont finir. Je n'aime pas ça. Comment tu peux escroquer toute une nation? Et les Camerounais acceptent ça. Nous on connaissait la vérité depuis. Hein? Nous on connaissait la vérité depuis. Mais à cause de Flore, on mettait un peu d'eau dans notre vin. IOFER. Nous on connaissait ça depuis. Donc ma chérie, faut rembourser à cause de Dieu. Rembourse l'argent de Yuri Yagami. En plus, Yuri rembourse l'argent de Yuri Yagami. L'autre, peut-être tu veux manger l'argent de tout le monde, pas pour lui. Marie Saint-Pierre. Marie Torchon. Djeneba, on a mangé ton argent. Je n'aime pas des problèmes. Je n'aime pas les problèmes, Djeneba. Dis à ta soeur, parce que c'est ta soeur, oh. Le Mali est à côté du Togo, vous êtes à un bus. Je ne sais pas combien de fois tu traverses, elle quitte au Togo, elle traverse le Bénin, elle traverse le Nigeria. Elle arrive au Cameroun. Marie Larose rembourse l'argent. C'est tout ce qu'on te demande. Tu rembourses à tous les Camerounais. À tous les Camerounais que tu as escroqués. Et nous, on part. Je coupe, je relance. Aka, moi je suis fatigué. Bien qu'il aime qu'elle, il est 20h, il faut que je fasse à manger. Deux sacs à 1800 dollars. Ha! Aïe! Bon, la team, si quelqu'un trouve le pantalon de mon uniforme. Yuri, tu es malade. Si quelqu'un trouve le pantalon de mon uniforme de général, il me renvoie ça. Sur ce, bonne soirée. Je vais refaire un direct dès que je finis de faire à manger là. Parce que je suis là. Je suis là. Depuis là, je vous guettais. Vous croyez qu'il était parti? Je suis là. Je pars que pas où. Hein? Donc, je vais laisser mon plat cassable. Hein? Mon plat cassable et mon vin en cristal pour aller manger au sol. Vous avez menti. You follow me, you lost. Katino a dit, you follow me, you lost. Vous me cherchez, vous perdez. Viens m'envoyer des messages. J'ai la compassion. Mais God punish una. Idiot. Choupil poupou. Donc, sur ce, bonne soirée et bisous à toute la team. La main sur le cœur, on est ensemble, de près ou de loin, on est ensemble. D'accord, on est ensemble, la main sur le cœur. Bisous, bisous, au revoir mes bébés. J'arrive, je reviens.